J'adore le sport, j'adore la nature. Je pratique mon activité depuis une dizaine d'années maintenant. Ça ne demande pas d'aptitude physique particulière. Il n'y a pas, à ma connaissance, de contre-indication médicale à sa pratique. Oui, c'est un sport qui peut être dangereux. Je conseillerais donc à ceux qui veulent débuter de ne pas lésiner sur la sécurité et d'investir dans du matériel de qualité. Il faut bien garder à l'esprit qu'un matériel bien entretenu vous durera des années. Les anciens pratiquaient avec des cordes. Aujourd'hui, on utilise des sangles nylon très résistantes. Les arbres sont la véritable pierre angulaire de notre discipline. Les meilleurs hamacs sont sans conteste fabriqués au Brésil. À consommer sans modération. It takes a day to walk a mile. Time just stands still. And when the people you meet. Alors on me demande souvent, oui, c'est bien beau l'été, mais l'hiver, peut-on pratiquer? Que nos futurs adeptes se rassurent. Oui, c'est possible. Alors comme pour n'importe quel sport d'hiver, pensez à vous protéger, notamment les yeux. Prenez des lunettes de catégorie 4 de préférence. Et puis éventuellement une crème solaire. Then you know you're down.